Nous sommes ensemble pour gagner. C'est le dernier jour de la campagne. J'ai choisi de venir ici raconter le grand groupe pour confirmer tout ce que vous êtes. Une confirmation, oui, et ceci, après avoir conquis les cœurs des professionnels des médias de tous les départements du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers les explications de son programme qui cadre avec ce que souhaitent les hommes des médias pour une presse totalement libre et indépendante au Bénin. Moi, mon leitmotiv, c'est comment faire pour que vous sentiez que la HAC est une institution utile pour notre profession. Et en cela, je dis par exemple que la carte de presse, dès octobre, quand on finira de mettre en place les nouveaux bureaux CNPA et UPMB, qu'il sera décidé au niveau de la HAC que le renouvellement de la carte soit automatique. Vous voyez que vous êtes à 6 mois de l'expiration de votre carte, vous gardez l'ancienne, vous faites la photocopie, vous déposez votre dossier. Le temps que la nouvelle carte ne sorte, l'autre vieille aspiration, vous remettez, vous prenez la nouvelle. C'est des réformes simples, ce n'est pas des promesses. C'est des trucs simples qu'on avait déjà proposé en tant que président de l'UPMB, mais que les gens n'ont pas voulu faire aboutir et qu'on fera aboutir facilement en tant que conseiller. Le candidat n'a pas manqué d'aborder la question de la spécialisation des journalistes avant de les exhorter à maintenir le cap. Je voudrais donc que nous puissions rester mobilisés, que c'est vrai, on a dit c'est le dernier jour de campagne aujourd'hui, mais que jeudi, vendredi, le porte-à-porte ne nous démoralise, ne détruise l'hégémonité au niveau de la ville capitale. Donc je voudrais que nous soyons serrés pour qu'à partir du 21 juillet, nous commençons par vous faire rêver de ce que effectivement la HAC a été créée pour les médias. Alors, la mobilisation que je vois, je crois que nous avons déjà gagné. Et c'est pour cela qu'au niveau de la dernière campagne, nous avons choisi de venir sur le dépouillement à Porte-Nouveau le samedi, de commencer par fêter là, à Porte-Nouveau, la capitale, et puis après continuer sur Cotonou. Placés en pole position sur le spécimen, les professionnels des médias du département de l'Ouémé ont tour à tour, après avoir salué les mérites de l'homme, réitéré leur engagement à le porter haut au soir du 15 juin prochain.